Ça commence avec le domaine des Hauts-de-Loire sur la route des vins. C'était un pavillon de chasse édifié en 1860 par un éditeur et c'est aujourd'hui un hôtel-restaurant gastronomique étoilé dans un parc avec une pièce d'eau. Voilà, qu'on aperçoit derrière là-bas. Ça tombe bien au moment du ravitaillement, hein. Ah oui, oui, et puis les tables sont prêtes, hein.